C'est Betclic, c'est ça? Alors moi c'est Ben, je suis un gros fan et pratiquant de MMA, et grâce à Betclic, je vais enfin vivre mon rêve à l'UFC Paris. Vous venez filmer l'entraînement du nouveau champion? Allez, entrez dans l'octogone. Je rigole, c'est mon appart. Voilà, c'est mon antre, c'est ici que je me prépare, mentalement, physiquement. Voilà, ici j'oublie rien, ma préparation elle est complète. High kick, guillotine, je sais jamais sur quoi finir, mais au moins maintenant ici je me prépare. Voilà, c'est mon terrain de jeu. Et ça c'est pas à moi, c'est à mon pote que j'héberge en ce moment. Et d'ailleurs, Thomas, si tu pouvais stop la PlayStation dans ma chambre, ce serait pas mal. BSD, Benoît Saint-Denis, lui c'est mon favori. Je l'adore, en plus on combat le même soir, donc voilà, je suis très content et je pense que ça va être facile pour lui. Hop là, de l'autre côté, Conor McGregor, la légende, paf paf. I want to take this chance to apologize to absolutely nobody. Non, vous connaissez pas. Et là, de l'autre côté, oh là là, Khabib, la légende, au sol. Lui, c'est un combattant de fou, et en plus avec Conor, là, s'il s'était affronté, oh là 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 là, la bagarre que ça aurait été, pa pa pa. J'aurais trop aimé voir ça. Quand j'ai reçu le mail, j'étais chez moi, en plein entraînement, comme d'hab, et là, je reçois un mail avec marqué Betclic partenaire officiel, et l'objet invitation UFC Paris. J'ai tout de suite compris, hein, mais je pense que c'est surtout les autres qui vont comprendre, si vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'est pour les combattants, ça, c'est pour les haters. Mais tu l'as ouvert, le mail. Pourquoi faire? Betclic partenaire officiel, invitation UFC Paris, c'est clair, non? T'es un débile, toi. Je me fais mon petit shaker tous les matins. On commence par les flocons d'avoine. On met une bonne proportion, hein, on n'hésite pas. Ça, c'est parfait pour la prise de masse. On va mettre un petit peu. Hein. Allez, hop là. On enchaîne avec les protes. Voilà. Bon, là, il y a l'équivalent du 8 poulets. Hein. C'est quoi? C'est une basse-cour. Hop là. Et pour finir, le beurre de cacahuète. Bon, une bonne cuillère. Hein. Faut pas trop en abuser parce que c'est quand même un peu gras. Bon, une deuxième. Une petite deuxième, pas trop en abuser non plus. Et bon, on va tester si c'est pas empoisonné. Hein. Bon, allez, fini les conneries. On va s'entraîner. Parce que le combat, il va pas se gagner tout seul. Hein. Je te donne l'adresse. On se rejoint là-bas. Moi, j'y vais en courant, c'est mon petit échauffement. Tu vas venir avec moi, toi? Ça traduit bien. Allez! Je note ma run sur Strava et on y va? Ah ouais, pas mal. Qu'est-ce que tu fais là? T'es là pour le sparring? À la base, je suis juste venu voir l'invité Betclic, lui montrer ce que c'est un peu un entraînement de combattant de MMA, d'un athlète de haut niveau. J'ai l'impression qu'il avait envie de s'entraîner, je m'y attendais pas. Mais j'ai l'impression que ça lui fait plaisir, donc on va voir ce qu'il vaut, je vais y aller tranquille. Bon, je te préviens tout de suite, je vais pas te donner. Hein, ouais, demain, j'ai un combat à l'UFC Paris, donc voilà. Mais toi, tu peux y aller par contre, hein, si tu veux. Ouais, t'as... Donne des coups, n'hésite pas. Ça va pas ou quoi? C'est la règle, putain, la règle à l'UFC, c'est quand tu tapes, ça s'arrête. Ah, excuse. Putain, bon, allez, viens, on fait du striking. Ouais. Ça va? Ouais, ça va. Ah, waouh, ok, d'accord. Non, mais attends, ça c'est mon œil, ça.
Aïe, aïe, c'est l'esquiver. L'arcade. Non, mais stop, arrête de me parler, c'est l'arcade. Stop, stop, arrête la caméra, c'est l'arcade. Franchement, je comprends pas trop. C'était rapide, mais c'était léger la frappe. Donc j'espère que son œil va bien. En plus, Betclic l'a invité en full access, il est très bien positionné. Ce serait dommage qu'il voit mal l'événement, donc. Je sais pas, je suis un peu gêné là. Bon, là, j'ai rien donné là. C'est un jeune, voilà, je veux pas non plus briser ses rêves, donc. C'était tranquille, c'était juste un petit échange, hein, voilà. Il est pas à l'UFC, donc on va pas non plus. Mais ça va aller, ton nom ? Oh non, mais là, il sait rien, ça. C'est les risques, ça, c'est. J'ai surjoué pour l'arcade et tout, j'ai rajouté des trucs, mais. Mais waouh! Étranglement, par contre, c'est quelque chose. Bref, il est quelle heure? C'est l'heure du cutting, je pense. Ben, il y a le taxi qui est là pour aller à la pesée. Tu viens avec nous ou tu veux y aller en courant? Non, j'ai aller à l'égout cette fois-ci. Ok, ouais. Bah vas-y, on t'attend. Voilà. Ça aurait pu m'aider quand même. Hey, hop là. Ça va? Vous allez bien? Ça va, tranquille? Ça va. Ça va. Putain, ça fait plaisir. Je suis tout excité là, j'ai une montée en puissance qui arrive là, c'est... Je sais pas, je le sens bien, tu vois, hier toute la prépa, ça s'est bien passé, le dîner avec les combattants, j'ai pu faire un petit peu d'intimidation, je pense que ça va porter ses fruits. Ouais. On peut faire une photo? Ah oui, avec plaisir, oui, y a pas de soucis. Ouais. Vas-y, Mike. Yes. Attendez. Et... Hop là. De nous, ça s'il va. Te plaît. Y a pas de soucis. Allez. Tous ces trucs que je suis en train de vivre, tu vois, c'est un truc de fou, genre jamais j'aurais pensé vivre ça un jour, je peux le dire. Merci Betclic, tu vois, même si... Ah, j'avoue, j'ai la pesée, j'étais peut-être pas au meilleur de ma forme. Le cutting, il m'a un peu assommé, mais je pensais pas voir un jour une salle dans ces conditions. Et voilà, moi, quand je voyais ça, c'était un peu sur la PlayStation. Quand je voyais des gens, quand je voyais mon pote jouer à la PlayStation et que du coup, moi, je le voyais, que lui, il jouait, mais pas moi. Que moi, je sais pas. Et dépêchez-vous. Allez. Oh là 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 là, vous entendez le bruit ou pas? Ça, tout à l'heure, ça pour moi, c'est 10 fois plus. Ben. Bon, bref, désolé, je perds ma tête. Ça, c'est la loge. À manger. Là, ici, on a à boire. On a tout. Pour préparer mon combat, j'ai tout. T'es pas en bas avec les autres? Non, mais moi, je suis pas en bas parce que moi, je voulais être en haut, c'est tout. C'est juste... c'est plus facile pour moi d'être en haut, quoi, tu vois. Il y a quelqu'un du staff qui va venir me chercher après. Moi, j'ai pas besoin de ça, de toute façon. C'est bien. Bravo. C'est bien. Tu vois, là, premier round terminé. Elle tient bien. Elle est en 2-0 en UFC. J'ai aucun doute que ce soir, c'est jamais 203. Moi, ça voulait rien dire le premier. Ça voulait rien dire le premier round. Là, il se réveille, il écoute les conseils et tout de suite, il le malmène. À mon avis, il devrait lui caler un high kick. Tout de suite, tu vois, il faut pas hésiter. Est-ce qu'il est plus fort? Mon gars, ça va tranquille? Ça va et toi? Toute la soirée? Ouais, très bien et toi? Ouais, au top, au top. Il a dit main event, mais je pense qu'aux États-Unis ça se fait beaucoup. Je pense que moi je passe après et que je suis le main event. C'est un truc qui se fait énormément là-bas. Attention.
Là, c'est les émotions, là. C'est mon chouchou, c'est mon favori. Ce soir, il gagne, il n'y a aucun doute. Je peux pas regarder. Là, le médecin, il vient d'annoncer que c'était la fin du combat. Je vais venger BSD. Tu m'entends ou pas? Vous m'entendez? Je vais venger BSD. Là, mon combat juste après pour le main event, c'est terminé, mon adversaire. J'ai pas encore qui c'est, mais c'est terminé. Ah, ça m'a chauffé, là. Ça m'a chauffé. Là, non, j'ai l'impression que peut-être que je lise le mail. Comme un combattant, pas comme un combattant, pas combattre. C'était ça le. Tu veux pas te battre, toi? Ouais, non, laisse tomber. Wow, if you told me back then, ooh, I never would've guessed, oh no.